Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour ce nouveau point hebdomadaire de marché pour cette semaine donc qui débute le lundi 25 mars 2024. Nous allons commencer tout doucement puisque lundi, il n'y aura qu'une intervention de Christine Lagarde dans la matinée, alors que dans l'après-midi, nous aurons du côté des États-Unis les chiffres de vente de logements neufs. Mardi, pas de statistiques majeures le matin en Europe. Du côté des États-Unis, nous aurons l'indice de confiance des consommateurs. Mercredi, pas de statistiques non plus en Europe. Du côté des États-Unis, nous aurons les stocks hebdomadaires de pétrole brut. Jeudi sera la journée la plus chargée, puisque dans la matinée, nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres du PIB, alors qu'en Allemagne, nous aurons les chiffres du chômage. Dans l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres du PIB, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis vendredi, malgré une journée fériée et des bourses fermées, nous aurons en France les chiffres de l'inflation, alors que du côté des États-Unis, nous aurons les très attendus PCE Core et une intervention de Jérôme Powell. Attention donc, marché fermé avec une statistique majeure. Derrière, nous avons un week-end de 4 jours, hein, vendredi, samedi, dimanche, lundi de Pâques. Attention donc en cas de fort décalage donc sur l'évolution des futurs par rapport au cash. Voilà ce que l'on peut dire pour cette semaine, je vous souhaite donc de bons trades, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre point hebdomadaire, toujours sur le site boursicoté.com.